Hello les amis, voilà, on se retrouve pour une nouvelle série avec Luigi Mansion 3. Donc, que dire de plus? Moi, j'irai partir tout de suite avec cette nouvelle aventure, toujours sur Nintendo Switch. C'est un plaisir de vous apporter un peu de jeu sur Nintendo parce que c'est l'une de mes consoles préférées. Du coup, je pense que je vais commencer à faire aussi beaucoup de séries. Et à l'avenir des lives comme je vais faire sur PlayStation et sur Xbox. Donc un grand merci et on commence tout de suite avec l'aventure. Et on se retrouve dans le monde de Mario. Alors il faut dire que le jeu je l'ai déjà commencé aussi mais je l'ai jamais fini non plus malheureusement. C'était vraiment la période que j'ai acheté la Switch où je travaillais beaucoup et j'ai pas su finir les jeux ou les continuer. Donc on regarde la cinématique, je me tais parce que je parle trop. Eh ouais. Tout le temps en train de dormir, Luigi. Tout le temps. Mais qu'il est beau le toutou fantôme. Mais qu'il est beau. Oh oh. On arrive peut-être. Bon là, il y a rien de hanté. Mais comme dans tout Luigi Mansion, il y a toujours un truc qui va se passer. Let's go to the party. It's me, Mario. It's me, Luigi. C'est magnifique. Que se passe-t-il? C'est gigantesque. Il marche comment, loot? Qu'est-ce fait? Bon, c'est parti, les amis. Pour une nouvelle aventure. On va regarder un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il fait, Mario? Je suis en train de bouffer, le. Les musiques, elles sont simplement géniales. Peach. Cet hôtel est si grand, Luigi. Et si savamment décoré. Quelle chance nous avons d'avoir gagné un jour, un séjour ici. See you later. See you later. Je crois que la princesse Peach a mis le château entier dans ses valises. Ah, Luigi! Comment ça va? Ah! Oh non! On va l'aider, on va l'aider, on va l'aider, on va l'aider. Ma tête, je suis coincé! Tant pis. Toi, tu me fais peur par contre. Bonjour monsieur, bienvenue cher monsieur, bienvenue au repos éternel. Désirez-vous vous enregistrer? Ben oui.
Mes hommages, estimés invités. Bienvenue au repos éternel. Je me présente, Ambre Bruscade, propriétaire de cet humble établissement. Sachez que je suis absolument ravi que vous ayez accepté ma modeste invitation. T'avances vite, madame. Vous devez tous être exténués. Par votre voyage, suivez-moi. Je vais vous guider jusqu'à vos chambres. Ne vous préoccupez pas de vos bagages. Notre personnel dévoué va s'en occuper pour vous. Vous êtes nos invités d'honneur, ne l'oubliez pas. Nous vous avons préparé un séjour tout compris pour vous fournir l'expérience de votre vie. Sur ce, si vous voulez bien me suivre... Let's go. J'espère que mes voix vous dérangent pas trop. J'essaie de porter un peu de piment dans l'histoire. En faisant des voix, mais je dois m'améliorer sur ces choses-là, mais bon. Les chambres de Peach, Mario et Luigi sont de ce côté. Quant à celles des Toad, elles se trouvent dans cette direction. J'espère que vous profiterez bien de votre séjour. Vous verrez que nous avons tout fait pour le rendre, comment dire, mémorable. Goodbye. Bye. Okay. Bye. Bonne nuit. Night night. Caco caco. Bon. On se retrouve dans notre humble chambre. Donc on va regarder un peu ce qui se passe dans la chambre. Salle de bain. Wow, tu m'as fait peur, toi. T'arrêtes de me faire peur. Bon. Tu sais, les urinoirs, elles sont plus hautes que Luigi, quoi. Bon. Continuons, alors. Wow, j'ai peur. Ok, je fais tout tomber. On va se calmer. Ouf! Tu veux aller te coucher? Non, pas encore. Je dois regarder qu'est-ce qu'il y a dans l'armoire. Oh, purée! Wow! On va se calmer. Bon, je pense qu'on peut se coucher cette fois. Allez. Bien sûr. Oui. Nice.
Oh purée. Quelle vitesse. Moi qui a des problèmes pour dormir, j'aimerais bien m'endormir comme ça, moi. Tout de suite, bam, comme ça. Et voilà, le cauchemar commence. Notre nouvelle aventure cauchemardesque va bientôt débuter. On tremble de peur. Tout a changé. Tout est néfaste. Tout est moche. On va regarder ce qu'il y a dans le tir. Wow! Ça a beaucoup changé, hein. Wow, c'était ça le séjour qu'on m'avait promis? Oh purée. Il y a quelqu'un, hein? Eh purée, il va se calmer lui, même ici. Wow. On n'est pas dans le caca, les amis. Il est où mon petit chien? Tout mignon. Que se passe-t-il derrière cette porte? Tout devient moche, laid, sombre. J'entends un bruit bizarre. Tiens, heureusement que t'es pas tombé dedans, mec. Continuons. Alors... Est-ce que Mario, il est là? Et Spider-Man? Mario? How are you, Mario? Oh, l'argent, j'avais oublié. Putain, quel bordel! J'aime bien lui faire peur. C'est quoi? C'est pantoufle. Il n'est point là, Mario. Wow! Je peux pas accéder à la salle de bain? Pas encore. On va suivre notre recherche pour voir où ce qu'ils sont nos amis. Ici à qui? Peach? Pichounette? Peachy? Peachy? Oh purée. Le manger est encore chaud. Même Peach est disparu. Wow! Oh purée. Je cassais les balles, hein, les amis. C'est C'est néfaste, vraiment. Oh oh. Il y a quelqu'un qui descend. Elle s'est transformée, madame la marquise. Tiens, tiens,
tiens, ne serait-ce pas le plus remarquable de nos invités, de Marc? Je comptais justement te rendre une petite visite. Est-ce que ta chambre est à ton goût? N'est-elle pas à tomber raide de bonheur? Mon cher, si tu savais à quel point je suis heureuse que tu aies accepté mon invitation. Pourquoi? Me demandes-tu? Eh bien, c'est simple. Il y a une personne. Quelqu'un que j'adore. Sans lui, je n'aurais jamais eu l'idée de vous inviter ici. Je l'admire plus que tout au monde. Et je tenais à ce qu'il te rencontre, Luigi. Toi. J'espère que tu es prêt. Oh, Mert! A peur. Surprise, Luigi, c'est moi, le roi beau. Ce vieux schnock n'avait mis sous verrou dans son labo. Mais grâce à la charmante propriétaire de cet hôtel, me voilà libre. Quelle chance, n'est-ce pas? Je n'étais pas sûr que tu accepterais cette invitation. Mais dans le doute, j'ai tout de même préparé ma vengeance. Qu'est-ce que j'entends par vengeance? Je suis ravi que tu poses la question. Après nos dernières mésaventures, j'ai décidé que toi et tes petits amis, aviez besoin d'être recadrés. Oh, ne t'en fais pas, Luigi. Tu seras bientôt réuni avec les tiens. Oh merde, ils sont tous... été capturé. Regarde ça, n'est-ce pas magnifique? Ne t'inquiète pas, toi aussi tu as un cadre. Il t'est spécialement réservé. Maintenant, prends-moi ta pose la plus terrifiée et ne bouge plus une moustache. La partie est terminée. Mais moi non, je me barre. On s'en va. On s'en va. Au secours. Wow. Au revoir. Allez, allez. Emerd, que s'est bien-il se passé? Luigi Mansion 3 avec la participation de Dark Orion comme voix. Présentation. Et je pense que la prochaine fois, je vais pas mettre le... Je vais pas me mettre en vidéo, je ferai que la voix. Je pourrais même le faire déjà maintenant, bien sûr. Donc, on n'est pas mort. Comme vous pouvez voir, j'ai retiré la caméra parce que je pense que ça donne mieux la voix, vu que je lis, de faire la voix sans la caméra. Comme ça, je peux faire toutes les grimaces que je peux pour faire les voix qu'il faut. Voilà. Donc, on va essayer de voir ce qu'il faut faire. Tu m'as fait encore peur avec ta lumière défoncée.
Pour moi, je ne sais rien faire parce que j'ai pas encore l'aspirateur. Oups. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouh. Est-ce qu'avec l'autre, c'est le même, si je fais avec l'autre? Avec ça, ça fait rien du tout. Bon, on avance. Wow! A eu peur. Les amis. Les bordels de neige. On va se calmer. Mon petit ami, mon chien. On continue notre cadence dans le couloir infini. Mon petit mignon avec des lunettes. Pourquoi y a ce bruit? Ah ok, tu m'amènes quelque part. On va aller voir ça tout de suite alors. Y'a quoi ici? Y'a quoi? Wow! On a eu peur. Un aspirateur. Nimbia. Il me tue ce chien. Oh, bien quel bordel. Wouf! C'est bon. Tu as tout compris? Bien sûr. Alors, j'ai décidé de faire cet épisode avec première partie caméra, deuxième partie sans caméra. Donc, pour voir si... ce que vous aimez le plus. Maintenant, dites-moi dans les commentaires si vous aimez plus qu'on me voit ou vous aimez mieux qu'on me voit pas et qu'on n'entende que ma voix et que je fasse des voix terrifiantes. Dites-moi tout. Dans les commentaires, bien sûr. On fait un peu de nettoyage ici. Bien sûr, maintenant je vais revenir en arrière. Tire-toi. Wow. Ok, ça c'est pour reprendre de l'énergie. Du coup, maintenant, est-ce que maintenant je peux prendre là-bas? Ah ok, voilà. Donnez-moi l'argent. Je suis fou de l'argent. Donc, est-ce qu'on peut monter par ici? On ne peut rien faire pour le moment ici, donc on va en bas, on va aller on va aller où?
On va par ici. Et on va retourner. Ici, comme ça, on va prendre tout ce qu'il y avait dans la pièce. Bon, c'est pas facile de gérer l'enrôle ici. Mais et tout l'argent? Il y en a encore? C'est bon? Quel bordel! Wow! Je ne peux pas encore prendre ce qu'il y a dans la machine à laver ou dans le sèche-linge. Je ne sais pas comment on appelle. Enfin, je ne sais pas c'est quoi. Décidément, je sais pas comment ça se fait, mais... Donne-moi l'argent! Bon, maintenant je pense que c'est bon, je peux y aller. J'ai tout pris. Maintenant, dites-moi aussi si c'est bien ce que je fais, que je prends tous les objets ou je peux passer parce que après ça devient trop long. Et faire que ça, franchement, c'est peut-être un peu lourd pour vos oreilles et pour vous-même. Là, je fais ma manière. Et si au pire, vous me direz dans les commentaires. Alors, ici à quoi? Je peux faire quelque chose. Quoi? Yes! Tout ce qu'il y a ici. Bon. Ok, là j'ai compris qu'en fait avec le A, je peux activer l'électricité augmentée. Bordel. Casse tout, moi. Y'a quoi par là? Ouh. Donc, si je vise... Si je vise l'intérieur, ça fait rien? Non, ça ne fait rien du tout.
Ce n'est point maintenant que j'irai par là. Un peu de nettoyage. Mais pourquoi ça me les prend pas, les sous comme ça? Oh, tant pis. Hein. Bon, ça y est. Et quoi, je sais pas passer? Ah ouais, j'avais oublié que c'était comme ça. Okay. Oh, puis la poussière. Attends, il y a quelque chose par là qui m'interpelle. Mais qui m'interpelle pour rien parce que je sais pas y arriver. Tant pis. C'est seulement par après que je dois encore y aller par là. Donc, je reviens à vous en caméra. Donc j'espère que vous avez aimé cet épisode. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si je fais avec caméra ou sans caméra, ou seulement la voix, vous me dites sur les commentaires. Et si vous avez aimé comment je vous apporte cette série et cet épisode découverte. Donc c'est magique, hein, les jeux de Mario, Zelda, tout ce qui s'ensuit, les jeux Nintendo à la base, c'est vraiment du magique. Donc un grand merci d'avoir suivi cet épisode, pardon. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, partagez ma vidéo, partagez ma chaîne, enclenchez la cloche pour recevoir mes dernières vidéos, commentez, dites-moi ce que vous en pensez et à la prochaine. Ciao, ciao!